Anne-Marie Proulx fait une grande place à la photographie argentique dans son œuvre. La photographie argentique, c'est la photo classique par opposition à la photo numérique. Ironiquement, le terme est assez récent, 20 ans à peine, mais la technique, elle, est beaucoup plus vieille. La photographie argentique utilise un procédé chimique inventé au 19e siècle. La lumière, qui est focalisée par l'objectif, fait réagir un produit photosensible qu'on appelle l'émulsion et qui est déposé sur la pellicule. En noir et blanc, c'est du nitrate d'argent qu'on utilise parce qu'il noircit à la lumière. L'image finale, la photo, est obtenue après développement de la pellicule dans un noir total. Avec la photographie argentique, Anne-Marie Proulx inscrit sa pratique dans une réflexion plus large qui questionne l'intuition et notre rapport au temps.